C'est ça qui m'a donné envie de m'engager en politique pour qu'enfin ces grands défis soient traités à la hauteur de ce qu'ils méritent. Bonjour, je m'appelle Mathieu Orphelin, j'ai 48 ans, deux enfants. Je suis né à Saint-Nazaire, au bord de la mer. Je suis ingénieur de l'École centrale de Nantes, docteur de l'École des mines de Paris et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique qui a son siège national à Angers. J'ai été là-bas chef du service économie, directeur de la recherche et de la prospective. Donc une carrière de scientifique, d'ingénieur mise aujourd'hui au service des grands défis que sont le climat, l'écologie, la solidarité. J'ai aussi eu des engagements associatifs, notamment porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot, et une expérience politique, puisque j'ai été vice-président de la région des Pays de la Loire de 2010 à 2015, en charge de la jeunesse, des lycées et de l'apprentissage. Depuis 25 ans, dans mon métier, mais aussi dans mes engagements associatifs, j'ai vu à quel point les politiques actuelles négligeaient les grands enjeux que sont l'écologie, le climat et la solidarité. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'engager en politique pour qu'enfin ces grands défis soient traités à la hauteur de ce qu'ils méritent, pour que demain, chacune et chacun puisse vivre mieux.